Voilà, donc là on va s'attaquer à Ascalon. Bon, il faut finir à Mervé à peu près au même moment, mais avec deux trébuchets c'est déjà... Je devrais pouvoir tenir, surtout que mes mamouks sont d'élite. 130 PV, 14 attaques, 4 d'armure à distance, 4 d'armure, 4 de protection des tirs à distance et 4 d'armure. Du coup, au corps à corps. Je vais faire d'autres mamouks là-haut. Donc, à savoir que Tiberia normalement va nous proposer un petit traité de paix contre 1000 IQ, enfin, donc contre 1000 or, que j'accepterai. En réalité, une fois que j'ai rasé Ascalon, je peux raser Tiberiade. Mais c'est... Ça demande un petit siège particulier pour prendre tir. Faut détruire sa flotte, puis une fois qu'il a détruit sa flotte, faut tout bombarder à coups de navires de galions à canon. Et les combats navals, étant donné que c'est pas, on en fait pas souvent, ni d'assaut d'ailleurs. Je me dis autant en profiter quand on peut en faire. Préparez-vous à la sortie des troupes. Ces chevaliers ne sont pas que souci. Je pense que ça vous en doutiez des navires, que c'était pas le souci. C'est des troupes à distance ce souci. C'est pour ça que j'ai autant amélioré mon arme, la protection perçage, parce que c'est vraiment. Ces troupes-là qui vont faire la majorité des dégâts sur mon armée. Là, l'assaut est bon, leur armée est morte. Donc je peux me permettre d'envoyer des trébuchants en plus. Le temps 300 ans... Ouais, j'ai envie de mon temps pour de rentrer, détourer tour et de la démolir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pas que j'ai pas collé cette forteresse à contre le mur, ce cas aussi m'attaquer là-haut. Vu que l'IA s'amusait déjà à faire des choses qu'il ne me faisait pas habituellement, j'ai voulu anticiper. Oh! Oh! Un trébuchet! Alors, le fait qu'il m'en fasse, je suis pas surpris, mais le fait. Ce qui me surprend plutôt, c'est le fait qu'il m'en ait sorti un si tôt. Là, la forteresse, enfin l'entrée de la ville est détruite. Il faudra maintenant que j'arrive à détruire toutes les tours qui protègent là. Et à savoir qu'Ascalon a une grande, a aussi une force navale, mais à la même limite que les forces terrestres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie derrière et ne peut pas construire d'autres navires. Enfin, vous les détruisez. Donc voilà. En troupe, je peux pas vous dire ce qu'est exactement Ascalon. Trois onagres, je vois trois cadavres d'onagres. En cavalier, il doit en avoir 8 ou 10. Unité de tir à distance, je pour en avoir combien? Je sais pas. Sincèrement, là, c'est... jamais trop compté les troupes qui m'envoyaient. Ouais, peut-être... 16,
Ouais, t'as 16 troupes à distance. Ça me paraît un chiffre raisonnable, 16. 16, 20. Sans compter les navires, bien évidemment, parce que je prends pas en compte dans ce calcul-là. Mais qu'il faut aussi en réalité les prendre en compte. Finalement, vu que je misclique, j'ai failli perdre un trébuchet. C'est toujours un souci quand on misclique. Donc on va rentrer par ici pour assagir ça, parce qu'à cause de la flotte, bien évidemment, qui ne nous laissera pas tranquille sinon. Et quant à eux, ils vont me faire plein de fer. Pour booster encore plus mon économie. Parce qu'il faut comme ça admettre quand même que mon économie est assez fragile. Bah donc détruire les tours, vous voyez, il y a des protections de chaque côté, donc prenez votre temps pour bien les détruire. La protection, en fait, ce qui est surtout important, c'est d'avoir plein de vie en plus, la protection et la protection de tir à distance en plus. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps avant de me lancer à l'assaut. C'est par rapport à ça. Alors, mes trébuchets vont avancer encore un petit peu, vont me détruire cette tour-là. Et ainsi me permettre de mettre un premier trébuchet ici pour bombarder là. Hop. Donc la nourriture c'est bon. Hop. Bon, quoi que, c'est pas peur. Autant que mes troupes ici s'en occupent un peu, qu'ils s'occupent. Alors la flotte d'Ascaon, je sais qu'il y a des navires d'assaut rapide incendiaire, enfin navires d'incendie rapide, je sais qu'ils ont des galions, je sais qu'ils ont des galions à canon, d'élite de même, enfin je me mords, ils ont toutes les unités d'élite, enfin quasiment, parce que à moins que je me trompe, mais un teuton. Ah non, je croyais qu'il peut avoir des balles de trier, mais ils peuvent bien avoir des pods. Voilà, je vais faire un trou dans la muraille là. Pour pouvoir mettre après. Oh, c'est vrai que je suis pas pressé par le temps. Hein. Et en réalité là, dès que vous pouvez détruire à merveille, détruisez-la ça. Il y en a deux qui sont super potes, d'accord. Alors il y a un atelier de siège ici, un marché là. Je suis en train de réfléchir en fait, est-ce que vraiment je prends mon temps pour attaquer Tyr ou je détruis après Tibériade. Je vais détruire Tibériade, comme ça, ça vous évitera d'avoir une vidéo trop longue. Je sais, je change d'avis en cours de vidéo. Mais pour prendre Tyr, c'est simple. Non, c'est vraiment ultra simple pour prendre Tyr. Vous rasez Ascaon, puis après pour prendre Tyr, vous construisez ici plein de ports. Vous construisez les 4 ports, vous faites toutes les recherches pour avoir des galions. Et des galions canon. 4 galions canon suffiront. Après, faites autant de galions que vous voulez. Généralement, tout grâce à votre armée. Et après, vous assiégez après le. Vous assurez après Tyr. Parce que Tyr en fait est protégé par un grand nombre de tours. Comme ça, je dirais
pourrait dire combien de tours ils ont. Après, si je peux construire un navire, autant y construire. Parce qu'en fait, ça prend un peu plus de temps de dégommer tir, mais... Bon, je ferai bien. C'est tellement plus rapide de dégommer Tibériade que de dégommer tir. Parce qu'en fait, le Tibériade demande pas besoin de faire de plus d'unités que ce qu'il vous faut pour attaquer Jatir. Que pour attaquer Ascaon. C'est vraiment exactement le même type de troupes, des trébuchets plus des mamouks. En soi, rien de révolutionnaire. Tir est beaucoup plus technique par contre, ça c'est vrai. Et vu que c'est technique. Je vais vous présenter comment il faut s'y prendre parce que sinon. Disons en fait des explications comme ça c'est pas facile. C'est plus facile de montrer quelque chose que de l'expliquer. Monsieur Saladin, nous sommes las de cette effusion de sang insensée. Payez-nous 1000 écus d'or comme preuve de bonne foi et nous ferons la trêve. Voilà. Me dites pas qu'il m'a encore fait cette histoire-là, ce bug-là. Putain. Voilà, encore une fois, j'ai eu ce bug-là. Génial. Alors attendez bien attendez bien avant de donner 1000 or que le... Putain mais c'est juste... Ce bug, qu'est-ce qui m'énerve? Bah j'ai dépensé, j'ai encore perdu 1000 d'or à cause de ce bug. Voilà. Parce qu'encore une fois, je donne l'argent. Mais les 1000 premiers écus d'or ne sont pas pris en compte. Je sais pas pourquoi. Bon, par contre, souci, c'est que si vous alliez à Tibériade, ils vont raser Hébron en contrepartie. Soit j'ai plus besoin, la bouffe n'est plus besoin. Comment je suis parti? Je vais croiser barbares, attaque notre village. Oui, on va, ils vont te raser, ça je suis au courant, mais je peux pas t'aider. D'ailleurs, il y a une relique ici qu'on va s'empresser de récupérer. Et j'ai oublié de faire brassard. Forge brassard. Plus un de portée à mes galions. Je suis en manque de galions. Je peux pas affronter à flotte ennemie. Je suis en manque de navires. Bah, les ressources que j'ai dû refaire. Que j'ai perdu, c'est en train de me coûter cette bataille navale. Toujours le même problème à chaque fois. De toute façon, le bois ne coûte rien, donc je ne peux pas me permettre de l'acheter, mais... Donc c'est pas grave.
vous abusez, au bout d'un moment ça passera. Hein. Vu que j'ai tellement de porcs que la construction va assez vite, au moins. Il y a un constructeur naval à tous les coups. Ouais, pas même savoir plus que ça. Leur navire coûte moins cher que les miens, ils ont un d'armure en plus, constructeur naval. Ce qui donne en bataille navale, ça lui donne un sacré avantage, ça. Voilà, c'est ça, ça. Attendez. Et alors, il vient d'où Ils ont un d'armure de plus que moi, ils viennent d'où cette armure de plus? Bon, là je suis en train de gagner. Voilà, là je suis en train de gagner. Baliste aussi, ça pourrait être une bonne technologie. Mais bon. Le principal a été fait. Non, oui, vous continuez à me récupérer de la pierre, ça se vend bien. Ça se vend bien, ça me permet de faire des recherches. Donc il y a deux rigs sur cette map, la deuxième est à Tibériade, donc si vous voulez vous raser Tibériade. Par contre ça enclenchera aussi le timer de victoire en contrepartie. Et pas forcément un problème. Donc construire deux galions à canon. Il ne restera plus que des navires de guerre standard. Maintenant qu'on a Stalgelga, ça coûte moins cher. Bon, au moins, le bon point, c'est que ça me rapporte dehors. Il y a une question que je me posais à un moment. En fait, jusqu'où va la falaise? Ah d'accord, la falaise s'arrête ici, d'accord. Donc, d'ailleurs, sur les falaises, qui est débile, mais... Vous pouvez vous amuser à foutre des châteaux hein, sur les falaises, ça peut... Voilà, le but c'est vraiment de maximiser ma vitesse de coque d'or avec des... J'arrive pas à parler, c'est pas grave. Là on va bourrer les navires de guerre. Donc les caravanes vont plus vite, donc nous rapporterons plus vite dehors. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. On voit, ce qui se passe, c'est que voilà, parfois le tir va vos ports quand vous les construisez et réagit au quart de tour. Mais c'est pas trop grave encore. D'ailleurs, je vais me poser une question. Je me suis rendu compte que les châteaux byzantins et fameurs à fond ont plus de 8000 PV. Ce qui est tellement plus que mes pauvres petits châteaux à moi qui sont bien plus bas en... Donc ici, vous pouvez mettre des trébuchets. Ça peut être intéressant aussi. Je me posais une question, c'est est-ce que les châteaux byzantins sont vraiment les plus résistants étant donné qu'ils n'ont pas autant d'armure que ceux qui peuvent faire architecture, enfin qui peuvent faire maçonnerie et architecture. Donc maintenant je me pose, c'est
Les châteaux byzantins ont plus de montants de PV à l'âge impérial. Mais ils ne possèdent pas ça. Donc, qui rajoute plus 1, plus 2 de protection normale, plus 2 de protection de perçage, plus 3 de et plus 6 de protection sur les bâtiments. Est-ce que c'est plus rentable? Ben, est-ce que c'est plus résistant que mes châteaux? Ben, est-ce que les châteaux byzantins sont les plus efficaces, les plus résistants du jeu? C'est la question que je me pose, enfin, même les bâtiments de manière générale, ils ont beaucoup plus de PV. Moi, je me pose la question par rapport à tout ce qui est niveau fortification. Je me dirais, personnellement, ça serait non, je pense pas. Du fait qu'ils sont, ils encaissent moins bien les dégâts, le montant de réduction de dégâts est inférieur. Mais ils ont tellement de PV en plus, 1% de PV en plus, que je sais pas. Surtout niveau, c'est surtout niveau château, après les tours, ça tombe toujours aussi, je trouve que ça tombe aussi vite, mais... Donc on rase. Alors ce qui est important, c'est de raser tour après tour. Monseigneur, cette digue a été construite par Alexandre le Grand quand il a assiégé Tyr en 322 avant Jésus-Christ. Espérons que nous aurons plus de succès. Oh, ça c'est pas un problème. Donc voilà, c'est une petite question qui peut être intéressante, je pense. J'ai jamais réussi à trouver en fait cette information. J'ai toujours cherché cette information, je suis jamais tombé dessus. Bien évidemment, les châteaux teutons sont ceux qui tiraient plus loin, avec leur bonus de plus 3 de portée grâce à une technologie unique. Hein. Mais ma question, c'était pas sexy, c'est vraiment la résistance aux dégâts. Normalement, alors faites attention, normalement, ils ont des canons à bombarder qui protègent leur vie. Oui, pas que des catapultes, mais aussi des bombardes. Et si vous avez fait attention, on n'a vu aucune. On a vu un qui a débarqué et qui m'a attaqué, mais on n'a pas vu chez eux. Parce que normalement, en fait, c'est la seule vraie menace que vous affrontez en attaquant la ville de Tyr, une fois à flotte neutralisée, parce que c'est le plus dur. A savoir que Tyr ne fait pas d'autres navires, étant donné qu'ils ont perdu... Bah, ils ont très peu de bois sur leur île. Et une fois qu'ils ont coupé tout leur bois, ben ils ont plus de bois. Ils sont obligés de débarquer sur la terre ferme, mais ce qu'ils ne font pas. Donc étant donné qu'ils ne récupèrent pas les... important, c'est d'être rapidement. Ah ben si, ils font d'autres navires. Youhou! Ah ben si, ils me font d'autres navires. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis autant de temps à me refaire des navires de guerre. Faut m'attraquer. Il reste encore deux ports à tir. Ouais, ils ont énormément de tourelles à bombarde. Donc faites attention à ça. Ah non, il reste un port, excusez-moi. Il reste un port, mais ils vont battre tout morfonceur à nouveau, vous allez voir.
Ah, donc le dernier horizon, trois ports qui reconstruisent, bien évidemment. Enfin, deux sont reconstructibles, le troisième ne peut pas être construit en placement où il est. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Parce que le dernier port est sur une île à part. Alors, j'aurais peut-être pu l'attaquer très tôt, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que j'ai... Si j'attaque son port, j'ai peur qu'il m'envoie après toute son armada sur ma ville plus tôt. De cela me détruise en fait ma ville un peu plus tôt. Donc, Bah, là, les canons à bombard que je vous parlais, je me demande ils étaient où, mais en fait, ils sont là. Bizarre que le bateau bouge pas. Donc on détruit ça. Les galions à canon ici vont me détruire cette tour là. Voilà. Le château de tir est ici. Vous voyez 8131 PV. Je pense qu'ils sont moins résistants que les autres châteaux, mais j'ai pas envie de m'avancer dessus. Parfait. Voilà. Donc comme vous voyez, la prise de tir, une fois sa flotte neutralisée, est ultra simple. C'est... Voilà. Oh, je vais arriver à une population max. Oh. Voilà. Alors, le but c'est vraiment de détruire tous les ports pour qu'un des... D'accord, c'est le bateau de débarquement que j'ai laissé filer. Alors, le débarquement n'est pas nécessaire. Je débarque pas sur Cyclia parce qu'elle est tellement petite, en fait, vos navires, une fois meurés, au maximum de reportée, peuvent à peu près tout attaquer. Les galions peuvent tout attaquer, de toute façon, enfin, les galions à canon. Alors, je vais vous dire, souvent, j'appelle galion les navires à galion à canon, et j'appelle navire de guerre et navire galion standard. Ouais. Qu'on se mette d'accord sur la terminologie. Pour pas que vous soyez surpris si vous m'entendez sortir certains noms que vous ne comprenez pas. Bah, maintenant, le but c'est de détruire... les derniers rescapés de la ligne de tir. Voilà. Ah, ils sont en fait... Détruisez pas ça, parce que les fermiers vont venir un par un et poser leur nourriture dans ce moulin. Ce qui en soi est plutôt bien pour nous. Voilà, cette flotte-là va se positionner ici. Et ça, c'est un hébergeois. Et voilà! Mission éprouvante, ça je vais pas vous mentir.
Mais voilà, on a réussi. Autrefois, j'étais étonné par la noblesse des guerriers sarrasins. Il y a quelques années à peine, ils combattaient comme des grands seigneurs, apportant avec eux des coffres pleins de trésors, de vin, des chanteuses et une collection de colombes, de rossignols et des perroquets. Ce temps est révolu. Par réaction au fanatisme et à l'hostilité des Européens, les Saracens sont progressivement devenus plus déterminés, plus sanguinaires. Leur amour de l'art a été remplacé par leur amour de la bataille. Maintenant, par réaction à la croisade, ils ont adapté leur principe de djihad à la guerre. Les conséquences furent accablantes pour les croisés. La présence des Européens en Terre Sainte était terminée. Du moins, c'était ce que tout le monde croyait. Comme ma vidéo se fait longue, on va passer très vite sur les statistiques de fin de partie. Donc militaire, voilà. Donc Ascalon, 40 unités, tout compris. Unité DRS et navale. Ils ont donc 40. Donc nourriture, bon, on s'en fout de la bouffe. Enfin, on a largement plus cassé. En bois, ben, plus de bois, ça aurait été bien. L'or, c'était pas trop mal. Vous voyez, le bug là, normalement j'aurais dû faire 5000. Mais bon, ça... On a réussi à s'en sortir. Bon, âge impérial, ça va, je suis pas arrivé trop tard. Développement, j'ai fait uniquement les technologies nécessaires, le reste on s'en fichait. Merveille, j'en ai construit aucune. Château, c'était bon. Relique, c'était bon. J'avais tout. Pas mal de villages, hein, normalement, j'avais. Merveille, destruction, j'ai détruit deux. Cette première bataille, c'est quand je détruis ça, la gare de Tripoli. C'est quand j'attaque Ébécron, ça. Ébécron. Ascalon, excusez-moi. Ascalon, c'est orange. Non, excusez-moi, je me trompe. C'est quand j'attaque Ascalon, parce que c'est normal, bien. Regardez, c'est normal, bien diminué. Après, ça c'est bon, c'est quand je finis Ascalon. Après, la fin, c'est quand je dégomme petit à petit l'unité adverse. Donc, c'est ainsi que nous terminons la mission djihad d'un campagne de Saladin. Nous attaquerons la prochaine fois la dernière mission de cette campagne, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde, encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie.